Mon fils, j'ai déjà dit, moi j'ai déjà, il est mort, c'est fini mon fils. Et comment ça? Comment il a de voix? C'est comme mon fils. Comment ça? Et le prophète Ibrahim il a dit, peut-être c'est Shaitan, peut-être c'est Iblis, il est en train de me moquer, peut-être Shaitan il est en train de moquer le prophète Ibrahim. Et comme ça, il appelait Ibrahim, peut-être c'est Shaitan, il est en train de moquer, il est en train de faire n'importe quoi, il est en train de faire blague pour lui. Et le prophète Ibrahim, il a continué pour aller, il a dit non, ça c'est Shaitan qui m'appelait ça, parce que mon fils, c'est déjà, j'ai déjà le gorgé, mon fils est fini. Et le prophète Ibrahim, il a continué pour aller, il a continué. Et le prophète Ismaël, il a dit, son fils, il a dit, Ya Abata, ou Ya Abata, ou Ya Abata, oh papa, oh mon père, oh mon cher, oh mon père, oh mon cher père, oh mon cher père, papa, oh Ibrahim. Ibrahim, il a dit, ah, c'est quoi ça, c'est encore? C'est quoi cette belle maman? C'est quoi cette chose? Sinon, c'est la voix de mon fils. C'est la voix de mon fils, et mon fils il est décédé. Et le prophète Ibrahim il a continué. Et le prophète Ismaël il a appelé. Il est en train d'appeler troisième fois. Il a dit Ya Abata, Ya Abata. Ibrahim il a dit non. Ça c'est mon fils, c'est la voix de mon fils. C'est quoi ça? Qui se passe ça? Ismaël, Ibrahim il est retourné. Ibrahim alayhi salam il est retourné pour voir ce qu'il appelle. Et quand Ibrahim alayhi salam il est retourné comme ça, il voit, il regarde son fils loin. Son fils, il est en vie. Il n'a pas décédé. Il n'a pas égorgé son fils. Il a vu son fils, il est en vie. Il a vu son fils, il est en vie. Il n'a pas mort. Il n'a pas décédé. Et Ibrahim, il est content. Et Ibrahim, il est en train de courir parce qu'il est déjà parti loin. Ibrahim, le prophète, il est déjà parti très loin. Il est déjà parti très loin. Ibrahim alayhi salam il est en train de courir, il est en train de te voir. Quand tu as vu quelqu'un, yani tu es content, tu vas courir comme ça, tu vas l'embrasser comme ça, tu vas lui mettre le poitrine avec lui, tu vas dire oh, bienvenue, bienvenue. Tu as vu? Yani quand tu as vu quelqu'un, tu l'aimes beaucoup, avec longtemps, et pas vu de longtemps, et tu courir, il vient te courir, oh mon frère, oh ma soeur, ma mère, oh tu as vu comme ça, tu as vu, tu vas dire, oh ma mère, tu cours ma mère, oh mon père, tu as vu, oh non ma mère, Ibrahim, prophète, il est en train de courir, prophète Ibrahim, et Ismaël, son fils Ismaël, âge de 13 ans, quand il a vu son père, il est en train de courir, et Ismaël, il est en train de courir. Ismaël, il est en train de courir, 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 et Ibrahim qui a commencé le takbir d'Oïd. Les takbir qu'on a dit le jour d'Oïd, c'est Ibrahim qui a commencé, qui a dit Allah est grand, il a dit, c'est Ibrahim qui a commencé. Les takbir qu'on va commencer le jour d'Oïd jusqu'à le 3 jours d'Oïd, tout ça c'est le prophète Ibrahim qui a commencé. Ibrahim il a commencé de courir, le prophète Ibrahim il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le prophète Ibrahim c'est ça qui a commencé, c'est lui le prophète Ibrahim qui a commencé les takbir. Il a dit Allah est grand, Allah est grand, Allahu, c'est ça on dit le jour d'Oïd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prophète Ibrahim il courir. Et Ismaël, quand il est en train de courir, il a commencé de dire La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Et le ange Jibril alayhi salam, quand il a vu le geste, le ange Jibril, quand il a vu le geste, quand il a vu le magnifique rencontre, quand il a vu le magnifique geste, quand il a vu le miracle de Dieu, quand il a vu la puissance de miracle de Dieu, le ange Jibril, quand il a vu prophète Ibrahim, il est en train de courir pour dire Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Et son fils Ismaël, il est en train de courir pour dire La ilaha illallah, La ilaha illallah. Et le ange
ange Jibril, c'est lui qui a terminé. Le ange Jibril, c'est qui lui a terminé. Il est prendre Ibrahim, il est prendre Ismaïl. Il a dit, Rabbana wa lakal hamd. C'est ange Jibril qui a terminé. Il a dit, Rabbana wa lakal hamd. Oh Allah, on vous remercie beaucoup, Allah. On vous remercie, Allah. C'est ange Jibril a dit, on vous remercie, ya Allah. Quel magnifique sacrifice. Quel magnifique jour, le jour d'Oïd. Le jour d'Oïd, le jour de sacrifice, le jour de Takbir, le jour de Tahlil. Quelle magnifique histoire. Quelle magnifique histoire de prophète Ibrahim, prophète Abraham, avec son fils Ismaïl, avec sa femme Hajar. Quelle magnifique histoire. Quelle magnifique histoire. Mes frères et sœurs, le temps s'est terminé. C'est ça le jour de sacrifice, le jour d'Oïd. Toutes les places que tu vas aller, il faut dire le takbir. Quand tu es dans la voiture, quand tu es au marché, quand tu es à la maison, quand tu es à la mosquée, toutes les places tu vas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Tu vas faire comme prophète Ibrahim, tu vas faire comme Ismaïl, tu vas faire comme l'ange Jibril. C'est ça le magnifique, mes frères et sœurs. Ces messages vidéo, il faut partager pour tout le monde pour connaître pourquoi on va jeûner le jour de Arafat, pourquoi on va faire le Eid, pourquoi on va dire le Eid, on va dire comment, pourquoi on dit le jour de sacrifice. Il faut partager ce message pour tout le monde pour connaître pourquoi on dit le jour de sacrifice. Il faut partager ce message. Il y a des gens qui ne comprennent pas la langue comorienne, mais sont comprend bien la langue française. Alhamdoulilah, vont comprendre toutes les gens qui vont. Entendu ça, ils vont comprendre, ils vont aimer beaucoup de choses, sauf les gens qu'il y a des moustiques dans la tête qui vont corriger, ils vont dire que cher, il a dit là, mais c'est pas le, c'est ça les gens qu'il y a le moustique dans la tête, les gens qu'il y a des moustiques dans la tête, et les gens des hypocrites ne prennent pas les paroles dans Allah que tu vas dire, mais il faut corriger les mathématiques. Il faut corriger que comment cher il a dit là, mais c'est pas lui. Comment cher il a dit, c'est ça les hypocrites. C'est ça les hypocrites. Ils sont pas besoin pour écouter les paroles d'Allah. Ils sont pas besoin pour prendre les paroles des prophètes. Les munafiquins, les hypocrites, qu'il y a des moustiques dans la tête, n'ont pas besoin pour comprendre. Ils sont tout pour gâcher. Les munafiquins et les hypocrites sont pour gâcher seulement. Pour que pourquoi il a parlé langue française, mais il y a des erreurs, il y a des mots que c'est pas bien. On n'a pas besoin que les mots c'est pas bien ou c'est pas bien. Et les besoins, c'est pour envoyer le message. Le très important, c'est pour expliquer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les gens qui vont écouter, ils vont entendre bien, ils vont comprendre bien, alhamdoulilah, ce message. Partagez le message beaucoup, beaucoup, et laissez les gens qu'il y a des moustiques dans la tête pour corriger qu'il y a des fautes en langue française, et ils sont connaître bien que moi je suis pas français. Même ma fille c'est française, même mon fils Imran c'est français, même ma fille Soumaya c'est française, même ma femme Oumou Koulthoum c'est française, mais moi originel de Comores. Et si je parlais français mal, parce que c'est pas ma langue, c'est pas moi, je suis pas Molière, moi j'ai déjà fait effort alhamdoulilah pour parler la langue française, c'est très bien machallah. Et maintenant on va laisser 3 minutes, 4 minutes de questions. On va laisser 3 minutes, 4 minutes de questions. Comme ça, on va prendre des questions. Et si tu vas faire le sacrifice et tu vas égorger des moutons, tu manges un peu et tu donnes les voisins un peu. Et un peu, tu vas donner les pauvres. Ça veut dire, tu vas faire 3. Tu vas manger un peu et tu vas donner les voisins et tu vas donner les pauvres. Si tu ne veux pas manger, pas de problème. Si tu ne veux pas manger, tu vas donner les gens comme tu veux. Mais c'est mieux si tu fais à la maison, tu vas manger un peu, tu vas donner les voisins, tu vas donner les pauvres. Mais c'est les pauvres, c'est les pauvres. Maintenant, on va prendre des questions. S'il y a quelqu'un, il va demander des questions. Mais c'est en français. Ce n'est pas langue comorienne. Et je vous demande, mes frères et sœurs, lundi, moi, je vais fermer le téléphone demain soir.
Demain soir, moi, je vais fermer le téléphone. Demain, dimanche, je vais prendre de congé demain jusqu'à lundi soir, je ouvre le téléphone. Il faut connaître bien. Demain, moi, je vais désactiver. Demain soir, demain, il n'y a pas de darasa. Et lundi, il n'y a pas de darasa. Il faut connaître bien. Demain, il n'y a pas de darasa. Ni langue française, ni langue comorienne. Vous avez voir ça. Cet message, la vidéo d'aujourd'hui, vous avez regardé demain. Et il y a deux autres qu'on a fait en langue comorienne. Vous avez regardé de demain et vous avez regardé le jour de Arafat lundi. Le Hajj, il va commencer demain. Le Hajj, il va commencer demain. Il faut respect. Le Hajj, il va commencer demain. Et demain soir, demain à partir de 18h ou 17h, à partir de 17h demain, moi, je vais bloquer le téléphone. Je désactive Messenger. Je désactive Messenger. Et je désactive Imo. Et je désactive WhatsApp. Jusqu'à la nuit, quand finit le jour de Arafat. À partir de minuit, lundi minuit, je vais désactiver. Mon téléphone, il va commencer à marcher bien. Et tout le messagerie, oui. Mais le Facebook, il va marcher. Mais le messagerie, je frappe, je stoppe. N'envoyez pas message demain, dimanche ou lundi pour dire quelque chose. Cher, j'ai une question. Demain après-midi jusqu'à lundi la nuit, moi je vais, il faut respecter le jour de Arafat. La nuit de Arafat sera demain dimanche, la nuit de Arafat, la nuit demain de Arafat. Il faut que je reste moi seul pour lire, pour faire doua, pour faire ibada, pour faire adoration. Ah, j'ai fermé le téléphone. Et c'est ça, je vous conseille mes frères et sœurs, prendre demain la nuit dimanche jusqu'à lundi, c'est mieux désactiver les messageries. Comme ça, tu ne regardes pas les vidéos du haram. Comme ça, il n'y a pas de photos du haram. Comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui va insulter quelqu'un. Tu vas voir. Comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui va faire calomnie de quelqu'un. Et tu as écouté de calomnie. Comme ça, tu n'as pas regardé les femmes de choses du haram. Comme ça, tu as... C'est mieux. Je vous conseille demain dimanche. Si tu regardes les vidéos à Facebook, oui, c'est bon. Mais messagerie, c'est mieux désactiver les messengers. Il n'y a pas parler avec quelqu'un, comme ça tu ne peux pas mentir. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas calomnie, il n'y a pas de rabaisser quelqu'un, il n'y a pas de regarder le haram. C'est mieux tu désactives les messengers. Il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé n'importe quoi pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé n'importe quoi. Tu vas désactiver demain, dimanche, la nuit, jusqu'à lundi, la nuit. Quand finit le jeûne de Arafat. C'est mieux. Et c'est mieux les gens qui restent avec les téléphones beaucoup à partir de demain. Tu dis les gens que, oh mes frères et sœurs, rendez-vous le jour de Eid. Et tu désactives un peu le téléphone parce qu'il y a des gens qui vont rester beaucoup dans le téléphone de dire n'importe quoi. Lire le Coran, lire beaucoup le Coran et fais beaucoup de doigts et ne fais pas n'importe quoi. Et reste, il y a des gens qui c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais Fundi, demain jusqu'à lundi soir, 48 heures, pour fermer le téléphone et désactiver Messengerie, c'est très difficile, Fundi, parce que moi j'ai besoin de recevoir des téléphones. Les gens qui sont comme BFM TV, il y a des gens qui sont comme BFM TV. Ils sont parlés 24 heures sur 24 heures sur Messenger. 24 heures sur le téléphone. Ils vont prendre le téléphone, ils vont parler. Allô, ça va? Oui, ça va? Tu vas aller où? Tu vas faire comment? On m'a rendez-vous, je ne sais pas comment. Il va finir. Ah, il va prendre autre téléphone. Allô? Et tu vas dire comment? Comment on va faire? Le kata, kata, kata. Il va parler. Il a fini. Il va prendre autre. Allô? Il va finir. Il va prendre le Messenger. Allô? Ça va? Il va laisser, il va prendre autre. Les gens qui sont comme BFM TV, ils sont bouches, c'est comme BFM TV. Parce que BFM TV, ça travaille 24 heures. BFM TV, c'est télévision. On aime beaucoup là. Moi, j'aime beaucoup BFM TV parce que c'est télévision. On va regarder les formations. Mais il y a des gens, il y a des femmes et des hommes comme BFM TV. Comme BFM TV. 24 heures sur 24 heures. Téléphone, messenger, WhatsApp. Si tu dis, allez, prendre repos. Prendre repos, MP, prendre repos.
et prendre repos demain dimanche et tu désactives un peu et le téléphone, tu dis les gens, oh, rendez-vous le jour de Eid, rendez-vous mardi, parce que maintenant on va aller pour le jeûne de Arafat. On va aller le jeûne de Arafat. Il y a des gens qui vont t'appeler pour dire n'importe quoi. Il faut abandonner. Même toi, tu n'aimes pas pour mensonge et tu n'aimes pas pour faire calomnie, mais il y a des gens qui vont t'appeler pour faire n'importe quoi. Et les oreilles, il faut protéger les oreilles. Il y a déjà qui va t'appeler. Il va déjà qui va t'appeler. Et toi, tu vas dire, mais moi, je suis sûr que je ne fais pas le calomnie. Et moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Je suis sûr que je lis le Coran. Je suis sûr que je fais le doigt. Mais tu ne sais pas ce qu'il va t'appeler. Tu dis, tu sais. Et c'est difficile pour dire arrêtez. C'est difficile pour dire, oh, arrêtez de parler les jamal. C'est difficile pour toi. Tu vas dire, je la rentre. C'est mieux tu désactives. Sinon, les gens, ils vont t'appeler. Ils vont dire, oh non. Et tu as vu quelqu'un, il a fait comment? Oh, il va insulter toi. Les oreilles vont écouter les gens qui insultaient. Et tu vas messenger, tu vas voir les photos, tu sais pas. Les femmes, c'est ouvre comme ça. Et tu vas voir n'importe quoi. Et c'est mieux, tu désactives 48 heures. À partir de demain soir, tu désactives jusqu'à lundi soir. Après fini le jeûne de Arafat. Tu es sûr que tu as fait bon le jeûne de Arafat la nuit demain. Et jusqu'à matin, jusqu'à Zuhur et Asr et Maghrib, tu as fait tout ça. Tu es sûr qu'alhamdoulilah. Et après, tu ouvres le téléphone et les gens de blabla et les gens de qui vont commencer blabla. Blabla, mais tu vas blabla, oh blabla, oh mes frères et soeurs. Maintenant, on va prendre le téléphone. Bismillah, rahman, rahim, bismillah. Aya. Si quelqu'un il a besoin de demander des questions, mais en langue française, c'est pas langue comorienne. Les questions, parce que c'est d'agace en langue française. Bismillah, bismillah, et partagez le message, beaucoup partagez, parce que, et écrit message très important concernant le jour de Arafat et concernant le jour de sacrifice. Et publier. Chaque personne, tu publies. Messenger, publier aujourd'hui. Comme ça, les gens vont regarder jusqu'à demain. Demain soir, tu désactives jusqu'à lundi soir. Inch'Allah ta'ala. Et si quelqu'un a des questions, tu as besoin, en langue française, tu vas demander maintenant 07 53 45 21 42. Bismillah, si quelqu'un a besoin de demander des questions, on va prendre 2 minutes, 3 minutes, questions en direct. 07 53 45 21 42 pour vos questions, mes frères et soeurs, pour vos questions. Bismillah, rahman, rahim. Et vous avez partagé, il faut partager beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a des gens qui vont écouter beaucoup de choses concernant le jour de Arafat, concernant le jour de Eid, concernant le jour de sacrifice. Bismillah, rahman, rahim. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous pardonner tous les péchés. On demande à Allah pour nous donner la chance. Et les gens qui n'ont pas allé à la Mecque, pour aller à la Mecque. Et les gens qui ont déjà allé là-bas pour aller deuxième fois et troisième fois. Et on demande à Allah pour nous faciliter la vie. On demande à Allah pour nous donner bonnes choses. Bismillah, il y a deux téléphones. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa barakatou. Tout le monde, salam alaykoum nam. Alaykoum salam. On parle avec qui et tu es où? Quelle question? Ah, moi c'est Chazouli Alimzé, je suis à La Réunion. Chazouli Alimzé à La Réunion. Nam, Chazouli Alimzé à La Réunion. Bismillah. Ah, après ici, on fait le Ramadan. Oui. Non, le Ramadan, ça, de Arafat, c'est lundi. Même où il faut faire le Eid mercredi ou jeudi, mais le Ramadan, c'est lundi. Ah, d'accord, parce qu'ici, ils ont décidé tout. Ils ont décidé tout le temps, le Eid, c'est mercredi. Après, oui, même si la réunion sont décidés de faire le Eid mercredi. Oui, mais ils sont décidés pour faire mercredi, mais le Ramadan de Arafat sera lundi, c'est pas mardi, parce que le Arafat c'est unique. Même ils vont faire le Eid mercredi, mais le Ramadan ça sera lundi. Le Ramadan de Arafat, le Arafat pour jeûner Arafat sera lundi, c'est pas mardi. Mardi il y a pas de jeûne, Merci. Non, bismillah, on va prendre autre question. Ça veut dire, il a dit là-bas, chez eux, là-bas à La Réunion, ils vont faire le Eid mercredi. C'est ça, il a demandé que là-bas...
Ils vont faire le Arafat le mardi. Et moi, je dis non, non, non. Même où ils vont faire le Eid mercredi, même où ils vont faire le Eid jeudi, même où ils vont faire le Eid vendredi, mais le jeûne de Arafat, le Ramadan, de Arafat, parce qu'il y a des gens qui disent Ramadan. Il y a des gens qui sont dire Ramadan. Toutes, même les sunnas sont dit Ramadan. Il faut comprendre bien. Si il a dit Ramadan, ce n'est pas le mois de Ramadan. Mais il y a des gens qui sont habitués toutes les jeûner, même lundi, qui va jeûner lundi, même va jeûner le jeudi, ils sont habitués pour dire.